Après, je pense pas garder toute la séquence hein, enfin, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai prévu de faire pas mal de temps de son parce que après, je vais devoir aller. Je vais plus pouvoir de faire. Excusez-moi, je parle pas français. Donc, je recommence. Je disais que après avoir terminé cette section vidéo gameplay, je pourrais plus jouer ou faire de voix ou de parler, de faire des let's play parce qu'il est 23h34. Donc à minuit, déjà ici c'est limite, mais ça va, on est dimanche, mais quand même. Du coup, je dois faire attention. Donc je peux pas trop faire le con. Sans que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, on est dimanche et tout ça. En fait, je dois faire très attention, de pas trop crier quoi. Mais à minuit, en tout cas, c'est sûr que j'arrête. Parce que j'ai mon voisin hein, qui dort. Et j'ai pas envie en espérant que je le gêne pas déjà d'ailleurs. Ce serait bien triste. Hop. Merde. Ça, on appelle ça un fail. Voilà, ça permet. Oui, tu te recharges. Comme d'habitude. Merde, je ne suis bourré de boutons. Ah, au secours. Comme d'habitude, on va sauvegarder. De temps en temps sauvegarder c'est très bien parce que ça permet de pas perdre sa progression. Même si je cheat, il faut quand même sauvegarder parce que je vais pas tout recommencer. Hein. Je sauvegarde toujours deux fois. Je sauvegarde une fois normalement, comme là, comme vous voyez là. Et après je sauvegarde. J'avance un peu et je fais une save state. Yes. Et voilà. Et du coup, comme ça, au cas où, j'ai toujours deux sauvegardes. Et du coup, ce qui se passe. Ah non, ça n'a pas débloqué. Mais ça pourrait le faire. Comme là, hein, vous avez toujours rêvé d'aller dans le truc et d'aller dans les podiums ou de faire chier tout le monde et de rentrer dans le truc comme ça pour voir ce qui se passe. Regardez comme par hasard, ben en fait, c'est bien le jeu qui décide ça parce que vous, si vous rentrez là, ben en fait, vous pouvez pas. Voilà, mais par contre, vous pouvez vous prendre pour le chef. Salut, coucou, ça va, hein, c'est mon chef. Hein. Oula, j'ai fait bugger les trucs. Excellent. Voilà comment faire bugger le machin. J'ai vraiment fait planter le bazar. Ah, excellent, regardez, j'ai fait carrément planter le jeu. Voilà. On a réparé le souci. Donc, c'était lui que j'ai parlé. Ouah, c'était drôle. Donc, c'est pas compliqué, hein. Si vous avez peur que ça plante, vous sortez. Et vous re-rentrez, ça va recharger tout correctement. Comme vous voyez, tout a été rechargé correctement sans aucun souci. Mais c'est toujours tendance de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ben, en fait, il n'y a rien. Ah merde, c'est con. Et là, il n'y a rien non plus, du coup. Ben non, c'est juste le jeu qui décide de lui-même de déclencher ça. Ah, ah merde, casser l'idée. Ah, et là, là en haut, il y a quoi? Oh, tu fais chier, toi, repousse. Bah, rien. Ah, merde. C'est quoi ça, les trucs de... Enfin, soit. Ah, c'est... Voilà comment casser tout. Vous voulez être une star? Regardez. Salut à tous et à toutes ici. La star. Des stars, salut!
je suis une star. Je suis une star, je suis une star. Vous voyez, c'est ça qui est fun, c'est que dans le jeu, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas vous foutre là. Et faire genre, voilà, je reste planté là. Juste pour le plaisir, le jouissement. Enfin, pas jouissement, mais le plaisir de juste rester là. Je sais pas parce que j'avais envie de rester planté là. Parce que vous dessinez, vous faites autre chose entre temps. Et vous êtes en forte nostalgie. Vous disiez, mais putain, mais voilà, je suis bien là. Souvenir. Et vous remémorez anciennement le jeu. Si vous êtes un être humain, normalement tout ce que je dis est logique, mais si vous n'êtes pas humain ou si vous avez pas de conscience correcte, enfin je sais pas, normalement c'est tout le monde a de la nostalgie, tout le monde peut avoir de la flemme. C'est pour ça que certains jeux comme Second Life, Imvu existent et que ces jeux ont du succès. Enfin, pour certains vont dire que non, mais si si. Vous avez forcément été dans un jeu de sandbox où vous flammez un peu quelques minutes. Et vous contemplez en fait le jeu. Ben, ici c'est le même principe. Ça permet de contempler votre personnage sur l'estrade et de dire oh trop stylé, je suis trop fort, je suis le chef du jeu, je peux carrément même me cacher derrière le mur, bon, personne me voit, hein, je suis trop une star. Ben, voilà, c'est fun et c'est amusant comme tout quoi. Bon après vous pouvez vous foirer aussi quand vous voulez sortir. Voilà. Ouais. Bon bah je pense qu'on va pas aller plus loin. J'ai pas mal fait de trucs d'idées. Ah ouais, là c'est pareil. Regardez. Là c'est pareil, regardez, vous voyez? Oh c'est con. Je suis rentré, sorti. Hop là. Bon, là vous savez que voilà, il va me dire vous pouvez vous promener vos Pokémon, autorité, nouveau sticker, non, un truc. Mais moi je veux pas, du coup je me dis ok, mais je passe quand même. Et voilà. Je passe quand même dans le jeu parce que j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie d'écouter. Oui, par contre, ça, voilà, ce qui se passe, c'est que ça fait planter le jeu parce que le jeu ne supporte pas. Parce qu'en fait, on a vu le jeu, en fait, si vous voulez, il check en disant, tiens, il n'a pas le Pokémon en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le jeu, il plante. Et du coup, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on arrive de retour au truc qu'on avait sauvegardé. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait le con-con, hein. Comme moi, c'est rigolo, il faut l'avouer, c'est trop marrant. Mais voilà, c'est ce qui se passe quand vous faites le con-con. Et que vous vous promenez dans le truc. On va quand même les retourner, mais on va éviter de prendre des téléporteurs. Tout simplement. Parce que c'est trop rigolo. Voilà. Ce qu'on fait éviter, c'est qu'on va pas prendre de trucs. Mais la console a souvent planté à ce moment-là. Parce que là, tu fais n'importe quoi. Et du coup, le jeu ne supporte pas. Il faut juste pas prendre des téléporteurs. Et du coup, ça passe. Le jeu ne plante pas. Oula. Hop. Enfin, il plante pas. Jusqu'à maintenant, il n'a pas planté plus que ça. Il faut surtout pas rentrer dans ça. En bref. Et normalement, je dis bien, si vous rentrez pas là-dedans, normalement, ça devrait pas planter, il me semble. Donc, ne rentrez surtout pas dans ces trucs. Et ça devrait aller. Vous pouvez, du coup, vous promener dans le jeu comme un tricheur. Parce que c'est vraiment du cheat. Garder un beau drift. Non, là, je suis déjà venu. Ce que le jeu ne permet pas normalement habituellement, bah, moi, je le fais. Rien à foutre. Et du coup, en fait, je récupère tous les CT que j'aurais pas pu récupérer. Et on essaie de rester tout le temps. Bon, des fois, c'est tentant, hein. Qui n'a pas envie d'aller là, tu vois? Enfin voilà, c'est marrant. Oh, coucou. Enfin voilà, c'est drôle, c'est fun. Et du coup, ça vous permet de... Oula, doucement, comme je vous ai dit, faire attention. Pas aller trop loin puisqu'on sait que le jeu est instable à ce niveau-là. Vérifie. Oula, doucement. Je pense que c'est bon. J'ai tout récupéré.
on peut se casser. Hop, voilà, ben on va se casser, hein. On va tout simplement se casser. Donc là, du coup, on passe par là. Et on ressort normalement. Là, du coup, le jeu, il s'en bat les steaks, hein, puisque vous n'avez pas vraiment prouvé quoi que ce soit. Et du coup, ben, ce que je viens de faire là, c'est que je viens de cheater. Je viens de récupérer tout ce qu'il fallait, que certains moments, il fallait certaines choses à certains moments. Le jeu, lui, il n'a rien détecté, il n'a rien capté du tout, rien vu, ni connu.